我不去。J'ai vu le temps dans la rue, Sarah. Sarah, tu m'entends? Sarah? Sarah, je te parle en fait. Tu m'écoutes? Sarah, qu'est-ce qui se passe? Sarah, parle-moi. Pourquoi tu pleures? Sarah, qu'est-ce qui se passe? Non, calme-toi. Non, Sarah, tu me parles. Calme-toi. Je te parle, Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu pleures, Sarah? Je vais l'avorter, je garde pas cet enfant. Il m'a dit qu'il allait se retirer avant, mais tu t'entends parler? Ok, d'accord, et tu dis ça, toi, c'est bon, t'écoutes, tu fonces, tu réfléchis pas. Tu veux avorter, y a pas de souci. C'est pas ça qui me dérange, mais est-ce que Jasmine est au courant? Non, pas encore dit. T'attends quoi pour le faire? J'ai pas envie de le dire. Mais c'est son enfant, ça! Mais t'es censée être avec moi! Mais je suis avec toi, c'est pas ça le problème, mais tu peux pas agir sans lui en parler quand même. Il va me prendre pour une folle. Il m'a dit qu'on pouvait pas tomber enceinte dès le premier jour. Sarah, ça le concerne, c'est son enfant. Il doit savoir. Il doit assumer ses conséquences, je suis désolée. Je peux pas garder cet enfant. Ok, tu sais quoi, on va se calmer, d'accord? On va se calmer. Maintenant, moi je suis avec toi. Parle-en avec Jason, tu vas le voir. Tu lui expliques les choses et tu lui dis clairement que voilà, t'es enceinte et que tu veux avorter. S'il veut avorter avec toi, enfin s'il veut accepter ça, il n'y a pas de soucis, mais faut qu'il soit au courant. Ça le concerne. Je sais même pas ce qui m'a pris de faire ça. C'est pas grave, ça arrive, c'est qu'un rapport. Enfin, juste te protéger, c'est pas grave. Oui, mais moi je m'y connais pas à tout ça, je sais pas. Maintenant tu sais. Voilà, c'est pas grave. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que maintenant vous avez un enfant tous les deux et il faut savoir ce que vous allez faire. Vous êtes deux dans l'histoire. Bientôt trois. Non, arrête, c'est pas marrant, Jess. Si t'as aimé, tu fais sans quoi. Thank you.
I still break your heart, and yet you run to welcome me. À la fin de votre... This is my song of praise to you, for who you are and all that you do. From the moment my life began, you have been faithful. Oh Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je reconnais avoir négligé ta parole. Je reconnais avoir fait un compromis pour Jason, mais s'il te plaît, ne me détourne pas ton dos. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à retourner dans tes voies. Je sais que je ne dois pas avorter Jésus, mais j'ai besoin de toi. Dis quelque chose, fais quelque chose, Seigneur. J'ai vraiment besoin que tu m'éclaires, que tu me guides. Ne me laisse pas tomber. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Alors, s'il te plaît, Seigneur Jésus, guide-moi encore. Alors, amen. Tell me that your love won't. Tell me that your love won't hurt me now. Ce soir, c'est parce qu'il faille que nous puissions aborder les points importants concernant la bonne cohésion du groupe. Alors, je tenais à féliciter vraiment tout à chacun d'entre vous. Vous avez très bien servi dimanche lors Merci. Du culte. Merci. Il est vrai que j'ai pas pu être présente à cause de mon retour de la Belgique, mais j'aimerais que dimanche prochain, les choses se fassent de la même façon. Il faudra que vous fassiez un peu attention au niveau de l'offrande. Il y avait un peu d'hésitation. Bonsoir, Florence. Bonsoir. Excusez-moi pour mon retard. Très bien. Je passe maintenant au point numéro 2. Si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que nous devons aborder les points importants pour une bonne cohésion de groupe. Écoutez, le premier point dont je voulais vous parler, c'est vraiment la sincérité. Il faut que nous puissions nous dire les choses. Vous savez que je ne suis pas du tout le genre de responsable à mettre des étiquettes sur les gens. Et je ne vous juge pas. Mais vous devez également être sincère envers moi. J'ai récemment appris que Margot et Kevin sont encore une fois tombés dans l'impudicité. J'ai dû les renvoyer de notre département. Raison pour laquelle, si vous êtes dans un quelconque péché lié à la sexualité, si vous êtes dans l'impudicité, je vous invite dès maintenant à prendre la parole et à confesser votre péché. Vous savez, la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Et que les impudiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Non. D'accord. Nous allons maintenant passer au culte du dimanche. Il faudrait que vous soyez tous là dimanche prochain à partir de 14h30. D'accord. Et Laure vous donnera les toges rouges. D'accord. Ça va, Sarah ? Oui, ça va. Tu parais un peu malade ? Non, ça va. D'accord. J'en profite pour dire quelques mots concernant Sarah. Elle était là en 2017 quand le groupe a été créé et autant vous dire que c'était pas facile. Bah, on répétait dans un salon, etc. Mais elle a toujours été très assidue. Elle a toujours été à l'heure. Elle avait vraiment ce groupe à cœur. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez la prendre comme un exemple. T'es sûr que ça et sachez que si vous avez des difficultés ou que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, c'est une sœur qui saura vraiment vous écouter. Non. Sarah, qu'est-ce qui se passe ? Sarah, calme-toi, calme-toi. Sarah, qu'est-ce qui se passe ? Je t'en vais dans la pénicité avec Jésus. Jésus, ça ! Calme-toi, calme-toi, Sarah. Sarah ! Sarah, attends ! Vous étiez au courant ? Non. De toute façon, je savais. Bah ouais, moi aussi. Donc votre sœur, elle est tombée et elle a besoin de soutien. Et vous, vous la jugez. Sarah, 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 attends, attends. Pourquoi tu me parles pas ?
Mais parlez de ce qui t'arrive. Mais ce qui m'arrive, c'est que je suis enceinte. Mais oui, mais on peut t'aider. Mais dis comment? Il a gâché ma vie, il a détruit ma vie. Écoute, il a détruit ma vie. Calme-toi. Déjà, dis-toi une chose. Tu n'es pas seule. Okay? Tu n'es pas seule. Hé, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'église est une famille. On est ta famille. Oui, je sais, mais ça me saoule. Il a gâché ma vie, il a détruit ma vie, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Écoute, ça va aller. Dis-toi une chose, c'est pas ce qu'un homme t'a fait qui sera la finalité. Le Seigneur peut te redresser. Dieu peut te redresser. Mais moi, je me rappelle même d'un Dieu qui dit qu'il a donné son Fils pour pardonner nos péchés passés, présents et futurs. C'est pas la finalité. Ça va aller. Avec l'aide de Dieu, ça ira. Crois-moi. Ça va aller. Ok? Ok. Tell me that your love won't. Tell me that your love won't hurt me now. Tell me that your love won't. Prends le cube. Ok. Oui. Jason. C'est qui elle? C'est qui elle? Avec qui t'es monté dans la voiture, c'est qui elle? C'est une amie, t'inquiète, on fait quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais depuis je t'appelle, tu réponds pas. Tu m'appelles depuis quand? Mais Jason, ça fait une semaine que je t'appelle, tu réponds pas. Eh, tu sais très bien, je suis occupé, non? C'est quoi le dièse? Mais comment ça t'es occupé, Jason? Même une seule réponse à mon appel, je peux pas le faire. C'est très bien, je travaille toute une journée. Hein? Je sais pas comment m'embrouiller. J'essaie de te joindre depuis parce que faut que je te dise quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Je suis enceinte. C'est pour ça que je t'harcèle comme ça, parce que je suis enceinte. Et j'ai vraiment besoin de ton soutien, en fait, là. Oh là, c'est pas possible. Enceinte de qui, en fait? Pardon? Comment ça, enceinte de qui? Bah ouais, t'es enceinte de qui? Mais Jason, si c'est avec toi, je l'ai fait avec qui? Tu es le seul qui m'a touché, t'es le seul qui m'a dévergé, tu me dis enceinte de qui? Donc là, tu me racontes cette histoire là pour me dire que t'es enceinte. Mais Jason, je suis enceinte de toi, j'ai trois enceintes de qui d'autre? Oh putain, c'est pas possible. Écoute ça. Je vais dire une chose. Moi, je suis pas près d'être père. On va faire ça clair. On va aller à l'hôpital ensemble. Et tu vas avorter. Avorter? Avorter? Ça va nous éviter des problèmes. Et je vais te dire une chose, je ne suis pas prêt d'être père, moi. Ni oncle, ni parrain, et rien de tout ça. Je ne suis pas prêt d'être ça, moi. Mais j'en ai rien à faire, tu n'étais pas prêt de tout ça, Jason. Quand il fallait le faire, tu étais là. Donc maintenant, tu vas l'assumer, cet enfant. On va le porter tous les deux, cet enfant. On va l'assumer ensemble, cet enfant. Il en est hors de question que j'avorte. Tu n'es pas chrétien ou quoi? Ton baptême, c'était quoi? De l'eau pour toi? Le fait qu'on ait forniqué, c'était quoi pour toi? De l'eau pour toi? On va l'assumer ensemble, cet enfant, Jason. Tu veux pas me laisser dans la galère comme ça? Et là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire ma vie. Comment ça, tu es en train de détruire ta vie? Tu as détruit ma vie! Tu es en train de détruire ma vie! Wow! C'est bon! S'il te plaît, j'ai besoin que tu me soutiennes! Je peux pas l'assumer toute seule, cet enfant! Écoute, reste calme. Ok? Tranquille. Tu sais quoi? Laisse-moi récupérer quelque chose dans ma voiture. Reste tranquille. Je vais récupérer quelque chose dans ma voiture. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonsoir Romain, c'est Sarah. En fait, j'avais juste besoin de parler et t'étais la seule personne à qui j'ai pensé.
Comment dire ça, je suis actuellement devant l'hôpital parce que j'ai pris la décision d'avorter. Je peux vraiment pas garder cet enfant. Donc, s'il te plaît, rappelle-moi dès que t'as mon message. Tell me, can you catch me? I'm falling. Tell me, can you tell me that your love won't.